suis dans un zion et j'quête ça. On vient pour faire la fiesta. Montre son dans ta Tesla. Tiger TN en Tesla. Hey hop tout le monde les petits refs, j'espère que vous allez tous très bien mes petits potes. Comment vous allez? Moi ça va nickel tout simplement parce qu'aujourd'hui vous êtes 10 000 à me suivre. C'est incroyable, merci à tous les potes, vous êtes les boss. On a dépassé le cap de 10 000 abonnés. Vous êtes des gens, je vais vous dire ça dans un instant. Vous êtes des gens, 10 000 40 abonnés. Ça continue de monter, c'est incroyable. Les gars, merci beaucoup à tous parce que jamais je me dirais un jour dans ma vie depuis que j'ai commencé YouTube, parce que ça restait voilà un loisir et tout, ça reste un loisir. Jamais je me disais un jour j'aurais 5 chiffres en nombre de personnes qui allaient me suivre. C'est énorme. Je me dis en fait de mettre 10 000 personnes en face de moi, bah, c'est incroyable en fait, c'est un concert le truc. Ce qui est super, c'est que ce que je produis, je le partage avec vous et ce que je partage avec vous, vous kiffez. Et ça, ça me fait trop plaisir parce que voilà, je me disais au début quand j'avais fait ma vidéo des 500 abonnés, je me disais en vrai, je sais pas si ça va plaire aux gens, mais bon, c'est un kiff pour moi donc je le fais. Faut que ça reste une passion et tout ça, et puis ça reste une passion encore aujourd'hui. Je grandis, j'ai des projets qui vont arriver même pour mon métier et tout ça, t'as capté. YouTube ça reste avant tout un loisir, même si mon rêve c'est de vivre de YouTube, on en est pas du tout encore là. 1 million d'abonnés, tu connais frérot, 1 million d'abonnés ce serait dingue, mais 10 000 personnes c'est quand même incroyable, faut que je m'estime heureux sur ça, c'est ouf en fait, c'est ouf parce que même avec 10 000 abonnés, bah maintenant tu vois, de temps en temps, c'est surtout pas pour prendre la grosse tête, je le dis, il y a des gens maintenant dans ma ville, ils me reconnaissent et tout ça, et ça fait super plaisir. J'ai déjà pris des photos avec des abonnés, c'est un truc de ouf. Franchement, ça me fait super plaisir. Tous vos messages et tout ça, c'est incroyable. Je pensais jamais que voilà, il y aurait eu autant de personnes qui allaient me suivre et tout ça. J'ai la chance d'avoir beaucoup de contacts youtubeurs avec beaucoup plus d'abonnés que moi. Léo, le duo, tu connais frérot, parce que voilà, nous, notre rêve, c'est vraiment de réussir sur YouTube à deux, de vous faire kiffer, de lancer un duo. Enfin, en fait, je sais même pas m'exprimer parce que je pars dans tous les sens tellement que je suis content, tu vois. Je sais pas si la vidéo sera longue, mais c'est quand même incroyable. Du coup, j'en reviens à ce que je disais. J'ai commencé sur ma chaîne YouTube par le gaming. Au début, ça faisait des vues et tout ça parce que j'ai des amis à moi ou alors des autres personnes qui me connaissaient de vue qui se posaient la question en mode: oh putain, il a sorti une vidéo, on va aller voir. Ça tapait déjà, tu sais, un 750 vues ou 1000 vues, tu vois. Donc c'était déjà incroyable. Et au fur et à mesure que j'en sortais, bah ça faisait un peu moins de vues. Du coup, quand ça faisait un peu moins de vues, j'essayais de me poser la question: qu'est-ce qui pourrait marcher encore plus sur ma chaîne YouTube pour partager tout ça avec vous? J'ai commencé à faire d'autres choses, des vidéos IRL. Et au fur et à mesure du temps, je me suis amélioré en montage parce que le nombre de bugs de montage qu'il y a eu sur mes premières vidéos, c'est incroyable. Je me rends compte en fait parce que j'ai déjà regardé, bon je regarde pas tous les jours mes vidéos, hein, je m'aime pas à ce point là, mais j'ai vu la différence en fait. Je me suis sale amélioré en montage et puis c'est incroyable. Et puis au fur et à mesure que je vais encore en faire, je vais encore plus m'améliorer, tu vois. Donc c'est ça qui est cool. Donc les potes, dans cette vidéo il y aura une grosse annonce. Donc les potes, moi pour 2021, pour fêter les 10 000 abonnés, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit: est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fais rien? Et sauf que je peux pas faire rien parce que 10 000 abonnés c'est énorme. J'ai envie de proposer du contenu en plus. Je suis fan des jeux vidéo. Sauf que sur ma chaîne principale, je trouve que le gaming, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, bah je trouve que vous kiffez pas vraiment énormément. Mais il y en a certains d'entre vous qui kiffent tout simplement. Du coup, ce que je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne secondaire? Du coup, les amis, je déclare ce soir, le 28/02/2021, l'ouverture de ma chaîne secondaire. Voilà les gars, c'est dit. J'ai maintenant une chaîne secondaire sous le pseudonyme de Madizone. Donc sur cette chaîne YouTube, déjà, il y aura que du gaming. Vous allez pas voir d'autres choses. Je vais essayer d'être beaucoup actif. Je vais essayer, j'ai bien dit ça. Il y aura normalement une vidéo toutes les semaines. Donc ça fait que en gros 2 vidéos par semaine. C'est-à-dire que sur ma chaîne principale, il y aura une vidéo. Et dans la même semaine, il y aura une vidéo sur ma chaîne secondaire. Sur un jeu. Par contre, les refs, sur ma chaîne principale, les vidéos sont fortement montées et tout ça. Par contre, sur la chaîne secondaire, je préfère mettre une vidéo beaucoup plus longue pour que, pourquoi pas, ceux qui veulent me regarder un peu plus, les vidéos pourront faire entre 25 et 30 minutes. J'ai du coup décidé de faire comme première vidéo sur ma chaîne secondaire un let's play. Je vous dis pas c'est lequel, sur quel jeu. Je vous laisse aller découvrir ça juste après cette vidéo parce que elle est déjà disponible, la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et à la fin du let's play, on entamera d'autres jeux comme Warzone, Fortnite, d'autres jeux, des jeux d'horreur, des jeux d'aventure, des jeux en ligne. On va essayer de faire des feats avec des gens, avec Léo par exemple. Ça va être cool. Ça va être tout simplement trop cool les refs. Je vais aussi commencer les lives. J'attends d'avoir un peu plus de connexion. Dans mon studio, il n'y a pas énormément de connexion. Mais du coup, dans ma chambre, donc chez moi, je vais essayer de faire un petit décor et tout ça pour voilà tout simplement commencer les lives, pour avoir une bonne connexion et pour vous faire plaisir tout simplement. Et puis je laisserai les rediffusions et pourquoi pas faire des best-of, je verrai bien. Donc il y aura des lives les potes. Peut-être que les lives je commencerai directement sur ma chaîne principale, non pas sur ma chaîne secondaire, pour attendre un peu qu'il y ait du monde. Et puis sur ma chaîne principale vous allez pouvoir retrouver, il y aura pas de gaming sur ma chaîne principale, il y en aura pas du tout. Sinon sur ma chaîne principale il y aura toujours des threads d'horreur, des vlogs, des vidéos IRL, il y aura plein de choses, des dégustations. Vous inquiétez pas les refs, j'ai beaucoup de projets. C'est pas une vidéo très longue, je voulais juste vous dire merci à tous
juste pour les 10 000 abonnés. J'espère qu'on ira loin. J'espère que ça continuera à monter et tout ça pour être encore plus nombreux. Un jour le million. Qui sait, ne jamais dire impossible. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, les petits potes. Merci à tous. Vous êtes les boss. Je vous kiffe. Prenez soin de vous. Et merci 10 000 fois. C'est incroyable. Ciao!